Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette matinée. Donc, on vous a présenté là les éléments principaux mis en place au démarrage du sport santé en région Bretagne. Donc, les chartes, le site internet, les formations, la communication digitale. Donc, c'est un gros élément de notre démarche, mais ce n'est pas la seule. Donc, dans cette deuxième partie, on va vous présenter des nouvelles actions mises en place donc qui contribuent au développement du sport santé en région sur d'autres modalités que les chartes sport santé bien-être. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des actions qui visent soit des nouveaux publics du deuxième plan sport santé bien-être, soit des nouvelles... nouvelle modalité de mise en mouvement des publics cibles. Donc pour chacune de ces quatre actions qu'on va vous présenter maintenant, donc l'ARS a passé directement une convention avec des opérateurs, des acteurs de terrain pour le déploiement de programmes de ces actions en région. Pourquoi j'ai plus d'écran ? Et donc on va faire une présentation en binôme pour chacune de ces actions. Les partenaires vont pouvoir venir vous expliquer comment ils mettent en œuvre leur programme et partager leur expérience avec vous. Donc, pour démarrer, je vous propose d'appeler Isabelle Couédon, donc du rectorat, puisque nous allons vous présenter un programme, une démarche ICAPS que l'on développe sur le territoire depuis le mois d'avril 2021, puisque initialement, on avait démarré... le repérage, la sensibilisation fin 2019, mais comme tout le monde, la crise sanitaire nous a empêchés d'avancer comme on l'aurait souhaité. Mais on a pu reprendre en début de cette année et c'est un programme qui avance. Donc la démarche ICAPS, ICAPS ça veut dire intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la sédentarité. L'objectif de ce programme, c'est d'augmenter la pratique d'activité physique sous toutes ses formes et de réduire la sédentarité et surtout maintenir à long terme ces pratiques. Nous avons choisi de développer ce programme en région car c'est une action qui a été reconnue efficace par Santé publique France et l'OMS en 2009. C'est en quelques mots un projet qui a été initié dans la région Grand Est dans les années 2005 auprès de 8 collèges, auprès d'élèves de 6e de 8 collèges. Il y a 4 collèges cas, 4 collèges témoins. Et il y a donc un suivi des données de santé de ces jeunes qui a été réalisé sur une période de 2 ans avec des questionnaires, des bilans médicaux, même des bilans sanguins. Et donc les résultats sont très intéressants puisqu'ils ont montré une augmentation de la pratique d'activité physique de 54 minutes par semaine et une diminution de la sédentarité de 20 minutes par jour. Ça a démontré aussi un effet bénéfique sur le poids et le risque de maladies cardiovasculaires. Et donc, comme je le disais, des effets qui se maintiennent 2 ans après l'intervention, avec des résultats plus marqués chez les jeunes des milieux défavorisés. Donc, le souhait de l'ARS actuellement, c'est de développer prioritairement ce type de projets qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Ce qui est efficace dans ce projet, c'est la démarche. Et donc, le cadre d'intervention, c'est une approche qu'on appelle socio-écologique qui cible les jeunes dans leur milieu de vie avec 3 niveaux d'intervention. Il y a les actions qui portent directement, qui sont destinées directement aux jeunes, donc qui visent l'apport de connaissances, les attitudes, la motivation à la pratique d'activité physique. Il y a les actions qui visent son support social, c'est-à-dire son entourage, sa famille, les enseignants, les éducateurs, les amis, qui peuvent donc intervenir dans la motivation et le soutien du jeune pour la pratique d'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Et puis les actions qui visent l'environnement du jeune, c'est-à-dire la disponibilité et l'accessibilité des équipements, l'offre de transport qui permettent d'aller réaliser ses activités physiques. Et il y a aussi toute l'offre de loisirs à l'école ou en périscolaire qui doit répondre aux besoins et aux appétences des jeunes. Et c'est donc l'action simultanée à ces 3 niveaux d'intervention qui fait de cette démarche une démarche efficace.
Donc, même si le programme a été, il s'appelle ICAP, c'est, s'intitule Intervention auprès des collégiens, on parle aujourd'hui de démarche ICAP, puisque la démarche, en fait, elle est aussi bien, aussi valable auprès des collégiens que des lycéens ou en école primaire. Un point important également de ce programme, c'est bien évidemment l'ancrage dans les établissements scolaires, hein, puisqu'il permet de cibler la majorité des jeunes et puis de faire le lien de ce sujet avec les programmes scolaires, notamment. Et puis, autre point fort, c'est le multipartenariat, je dirais, l'implication d'acteurs de différents horizons dans la mise en œuvre de ce programme, puisqu'il y a les établissements scolaires, mais à côté, il y a aussi les collectivités, les associations sportives, les associations de familles, les représentants des parents d'élèves, des familles. Donc tous ces partenaires peuvent travailler en intervenant sur ces trois niveaux possibles autour du jeune dans une période considérée. Et c'est ça qui fait l'efficacité de ces actions. Donc, on a, voilà, en plus, donc c'est un programme qui n'est pas nouveau, qui a été porté par l'INPES puis Santé publique France. Et donc, en 2019, Santé publique France a fait un appel à candidature pour reconnaître, pour identifier un centre national d'appui au déploiement de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Donc, le CNDAPS a lui-même testé, mis en œuvre des programmes ICAPS avant. Et aujourd'hui, ils sont là pour accompagner les acteurs à la demande, pour accompagner les acteurs de terrain sur le déploiement de ce type de démarche. Et donc, nous avons fait appel à eux, hein, puisqu'ils sont, ils sont là pour ça. Ils couvrent normalement le territoire national. Hein. Et donc, nous avons fait appel au CNDAPS. Et depuis le mois d'avril, donc, nous travaillons avec eux et avec quatre établissements sur la région Bretagne, un dans chaque département. Et donc, grâce à la collaboration d'Isabelle Couédon du rectorat pour identifier ces établissements. Et donc, je vous passe la parole pour en parler plus. Bonjour à chacun et chacune. Alors, c'est vrai que d'abord, moi, je tiens à remercier l'ARS hein, ainsi que la DRAGES, puisque ce sont deux entités qui nous aident à développer véritablement notre politique éducative en faveur de la lutte contre la sédentarité chez les publics scolaires. Et donc, cette démarche ICAP, c'est un volet hein, de notre partenariat. Hélène m'a proposé, donc il y a maintenant 2 ans environ, un an et demi, que la région Bretagne puisse porter le développement de ce programme national. Donc, moi, je me réjouis. Hein. Alors, ça passe. On est dans une phase expérimentale, on est dans une phase de tâtonnement, d'accompagnement des quatre établissements qui ont été identifiés pour amorcer cette expérimentation en Bretagne. Les retours sont unanimement positifs hein, des quatre établissements impliqués. Alors, je vais vous les citer, comme ça, l'information sera claire et précise. Il s'agit du collège Max Jacob de Quimper, il s'agit du lycée Marie-Lefranc de Lorient, il s'agit du collège Roger Vercel de Dinan, et il s'agit du collège de l'Hermine à Plélan-le-Grand. Donc, ces quatre établissements ont été identifiés, non pas suite à un appel à projet vaste sur l'ensemble des structures scolaires, puisque nous savions qu'en termes de moyens, nous ne pouvions accompagner que 4 établissements. Donc, nous avons de manière concertée, avec y compris mes collègues en charge de l'éducation physique et sportive, mais aussi mes collègues en charge de la médecine scolaire, identifié 4 territoires pour pouvoir expérimenter le développement de ce programme national en Bretagne. Moi, l'intérêt que j'y vois vraiment prégnant, c'est d'abord l'accompagnement par des experts autour de la question de l'activité physique et de la sédentarité, notamment le CNDAPS et ses personnes ressources agissent en proximité avec ces 4 établissements. Il y a donc, au regard de la démarche de projet, mais aussi de la connaissance fine des effets hein, de l'activité physique, de la manière dont on programme de l'activité physique, un apport d'expertise indéniable pour les acteurs de l'éducation nationale. L'accompagnement aussi se fait par des acteurs de l'éducation nationale, parce qu'il s'agit bien ici d'agir en étroite relation avec, vous l'avez dit, hein, les programmes disciplinaires, donc l'éducation physique et sportive que je porte, mais aussi les projets d'établissement. L'activité physique, c'est au quotidien au cœur de la classe, c'est au quotidien dans la cour de récréation, et c'est de manière spécifique portée par certaines disciplines, en particulier les sciences de la vie et de la terre et l'éducation physique et sportive. Mais j'oublie pas aussi santé, prévention et environnement au lycée professionnel que nous évoquions tout à l'heure. Il s'agit donc vraiment d'amener les établissements scolaires à améliorer leur démarche de projet pour aller vers des effets
que nous espérons, non pas encore à la phase d'évaluation, hein, mais qu'on espère aussi probant que l'étude scientifique qui a été menée sur la région Grand Est. Pardon. Un autre élément qui est important dans cette démarche ICAPS, c'est la facilitation qui est donnée aux acteurs scolaires d'agir en étroite concertation et en étroit partenariat avec les autres acteurs investis sur cette question. Je citerai un exemple qui est par exemple la relation avec la maison Sport Santé. Alors, vous avez évoqué, vous êtes ici un public d'experts qui connaissez bien le rôle et les missions de ces maisons Sport Santé, mais somme toute, ça serait récent sur notre territoire. Et donc, pour, en tout cas, sur le projet de la ville de Lorient, il y a vraiment un maillage très fort qui est en train de se construire pour assurer la pérennité de l'activité physique, notamment chez des jeunes filles, c'est ciblé sur cette action, hein, des jeunes filles qui sont décrocheuses de l'activité physique, les professeurs de PS dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive, dans le cadre de l'association sportive, les accompagnent, mais après se retrouvent seules dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, certaines sont internes, et donc il faut assurer la continuité de cette activité physique dans les autres temps que le temps scolaire. Et donc là, et avec une problématique très spécifique, hein, parce que certaines de ces élèves sont en surpoids, par exemple, d'autres peuvent avoir des pathologies qui freinent l'activité physique. La grande majorité du public ciblé a une motivation extrêmement faible pour l'activité physique. Or, dans les maisons sport santé, on a des professionnels aguerris sur ces problématiques de réaccrochage motivationnel et surtout de construire de manière graduée et progressive la pérennité de la motivation. Donc on trouve ces compétences-là et on trouve ce temps. Et enfin, je conclurai par ce qui me semble le plus mercantile, mais qui est aussi un vrai levier, il y a un soutien financier au développement des projets pour ces quatre établissements et ces quatre territoires. Et il s'agit bien d'agir en synergie, et donc le financement de ces projets émane exclusivement de l'Agence régionale de santé, même si nous sommes en concertation sur l'analyse des demandes formulées par les acteurs, c'est véritablement un levier. Nous avons rencontré avant-hier une enseignante qui n'en revenait pas, tellement la difficulté d'obtention des moyens pour acheter par exemple des cardiofréquences-mètres, mais aussi pour acheter d'autres outils en faveur par exemple de l'activité physique dans une cour de récréation. C'est la croix et la bannière. Nous sommes dans un contexte budgétaire que tout le monde connaît, qui est complexe, qui est difficile. Et je pense que c'est en alliant nos énergies, nos compétences, qu'on peut lever, ici ou là, les barrières qui s'opposent à la qualité des projets. Spontanément, ces enseignants, ces établissements, il y a toujours eu pour identifier ces quatre établissements. Pour nous, le levier était certain qu'il y allait avoir un engagement. Donc il y a toujours des volontés individuelles partout dans les établissements scolaires. On a choisi ces établissements en lien avec le profil aussi sociologique ou en tout cas socio-économique des populations accueillies. Et pour nous, c'était important d'avoir une diversité sur les quatre établissements pour pouvoir, dans cette année expérimentale, en tirer des leçons. Pour un éventuel, je dis bien un éventuel, puisque la question est forcément l'étude, derrière, vous voyez qu'il y a des moyens financiers pour convoquer déjà l'accompagnement en termes d'expertise du CNDAPS, pour soutenir financièrement les actions développées dans les établissements scolaires. Nous en sommes à la phase d'étude et nous ne sommes pas encore garantis du déploiement au cours de l'année 2022 de cette démarche. Aujourd'hui, dans les premiers indicateurs que nous avons, on se réjouit parce que les établissements, on a même parfois saisi des établissements où la dynamique ne nous semblait pas pleinement engagée en faveur de la lutte contre la sédentarité. Pour autant, les acteurs autour de l'établissement avaient une vraie identité. Et donc, notre mission, là, je pense à un projet très précis, il s'agit de faire en sorte que les acteurs extérieurs de l'école puissent engendrer une augmentation en termes d'expertise des acteurs de l'école et surtout puissent venir en faveur du développement d'une dynamique de projet à l'intérieur des établissements scolaires en réseau avec ces acteurs qui se situent à l'extérieur des établissements scolaires. Voilà, je pourrais répondre à des questions s'il y a des questions. En tout cas, on se réjouit de ce développement de la démarche ICAP sur la région Bretagne. Donc, je tiens à signaler ici que je parle au nom du recteur de la région académique de Bretagne, Emmanuel Etis, qui est vraiment un soutien très important parce qu'il, forcément, il valide tous ces projets. Et puis, il regarde d'un œil vraiment très favorable tout ce qui est conduit au sein de la région académique de Bretagne, en lien avec la DRAGES, qui maintenant est sous l'égide du même ministère, et en lien avec l'Agence régionale de santé. Tout ça, ça s'inclut dans une politique académique qui dépasse la seule démarche ICAPS. Voilà, merci à vous.
Juste pour compléter sur les perspectives, effectivement, hein, nous avons en perspective de continuer le déploiement au-delà des 4 premiers établissements identifiés en 2021, dès 2022. Ce que nous laisse entrevoir le CNDAPS, c'est éventuellement c'est une labellisation des actions à la fin de l'année scolaire. En tout cas, on voit bien au travers de leur intervention qu'ils sont le garant de la démarche. Hein. Ils suivent vraiment ça de près et apportent des compléments ou font évoluer les projets pour en faire des vraies démarches ICAPS. À partir de là, donc des labellisations possibles. Et pour montrer en quelque sorte la dynamique quand même qu'il y a hein, sur le territoire breton, il y a aujourd'hui 3 régions qui ont conventionné, enfin qui se sont engagées avec le CNDAPS. Et c'est vrai que à la suite des réunions qu'on a pu avoir avec eux, le déploiement de 4 projets comme ça sur un par département en même temps, il salue la dynamique territoriale qu'il y a sur notre territoire. Donc voilà, donc avec tous ces éléments positifs, on ne peut que avoir envie de poursuivre parce que aussi au travers de ces projets, il y a des questionnaires à remplir et notamment auprès des jeunes. Et les premiers résultats sont vraiment alarmants, mais c'est voilà, on communiquera dès qu'on aura une consolidation des résultats. Mais le temps de sédentarité chez un jeune dès la sixième, il est énorme. Quoi. Le week-end, le jeune peut passer son temps devant les écrans. Et ce que nous a fait remonter, je ne sais plus si c'était un établissement, oui, c'est que les jeunes ont fait remarquer que quand même le questionnaire n'était pas bien fait parce qu'on ne pouvait pas mettre des temps à 2 chiffres. Quoi. On ne pouvait pas dire qu'on passait plus de 10 heures par jour devant un écran. Enfin bon, c'était mal fait le questionnaire, quoi. Et en fait, il avait été fait parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait aller jusque-là par jour. Et en fait, donc c'est bon, au-delà de la... C'est des données très alarmantes. C'est vrai très qu'on était alerté par ces données-là sur d'autres régions, sur d'autres études scientifiques qui nous avaient déjà alertés. Mais le jeune breton n'échappe pas à ces standards de diminution importante et vraiment dramatique hein, de l'activité physique dans l'ordinaire de sa vie, dans sa vie quotidienne. Donc c'est vrai que c'est l'affaire de l'école, hein, puisque le temps passé à l'école est énorme sur une semaine en période scolaire, mais c'est aussi la préoccupation de la famille, de tous les acteurs. Et donc votre parterre montre vraiment que c'est l'affaire de tous. Et le choix qui est fait de cibler le public scolaire, c'est parce que c'est la société de demain, évidemment, et que ces indicateurs-là nous font froid dans le dos. En tant qu'adulte au pilotage, on ne peut pas s'en contenter. Donc c'est vrai qu'il faut tout tenter. Et vraiment, sur la démarche ICAPS, notre difficulté aujourd'hui, ça va être la rançon du succès, parce que nous commençons à recevoir des courriels ou plusieurs structures, quelles qu'elles soient. Même, donc, Hélène a très bien reprécisé qu'au départ, on est parti sur les collèges. Mais vous voyez qu'on élargit au lycée, on élargira aussi au premier degré, puisqu'il faut agir très, très vite sur ces problématiques. On reçoit des courriels. Je veux intégrer la démarche ICAPS. Comment on fait ? Donc, notre difficulté va être dans cette phase, pas expérimentale, mais à l'interface entre le déploiement, bien identifier nos indicateurs de hiérarchie des publics cibles, pour pouvoir aller vers un infléchissement des comportements, c'est ce qu'on cherche. Hein. Et en travaillant sur les jeunes, on travaille aussi sur la famille. Et donc ça, pour nous, c'est important aussi que de penser à cette globalité de la société, en fait. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Alors, plus qu'une question, c'est plutôt une remarque. Je suis Valérie Graville, coordinatrice de la MSP, enfin, Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Plélan-le-Grand, en Brocéliande. Et donc, je voulais interpeller un peu sur le cloisonnement entre les différentes instances, parce que nous n'avons jamais été informés à la MSP de Brocéliande de cette action, de cette démarche ICAPS dans le collège. Or, nous, nos professionnels de santé travaillent sur le dépistage précoce de l'enfant en surpoids ou en obésité. Et on aurait aimé, justement, avoir une relation avec le collège. Alors, bien entendu, on les a sollicités. On a contacté le principal, mais elle avait l'air intéressée, mais ça s'est arrêté là. Donc, ce serait bien de prévoir, justement, dans la mise en place de cette démarche, de joindre les professionnels de santé du territoire quand quelque chose de cette ampleur se construit. Voilà.
Alors moi, je vous remercie pour votre témoignage parce que pour nous, c'est vraiment un retour d'expérience. C'est vrai qu'Hélène, comme moi, on n'est pas au cœur du réacteur de chacun de ces quatre projets. Pour autant, c'est une limite pleinement légitime que vous soulevez. Donc moi, je vous invite à nous adresser un courriel pour qu'on ait véritablement votre identité, votre structure, et on fera le lien donc avec les coordonnateurs issus du CNDAPS, mais aussi pour ma part avec le chef d'établissement et les professeurs référents du projet de Plélan-le-Grand en tout cas. Merci pour votre intervention. Oui, bonjour. En fait, j'ai juste quelque chose qui m'étonne. Je vous entends parler de l'ARS, la DRAGES, pas du tout du ministère de l'Éducation. Oui, d'accord, mais ça reste très, très local, très, très ponctuel. En termes de reconnaissance, il y a une vraie reconnaissance par rapport à ça? Après, enfin, là, je vous dis, on vous présente ce projet-là précisément, mais les actions du rectorat sur ce sujet-là sont bien au-delà de ce programme qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je vous passe la parole. Oui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que renvoie votre remarque, mais je pense que l'éducation nationale est un acteur privilégié. Alors, on ne porte pas la démarche ICAPS, on agit en partenariat avec le pilotage de l'ARS, mais derrière les programmes ICAPS, ce sont des enseignants, ce sont des chefs d'établissement, ce sont des élèves, ce sont des programmes disciplinaires, ce sont des projets interdisciplinaires, ce sont des projets d'établissement. Donc oui, l'éducation nationale est là. Alors, la problématique de la reconnaissance, moi, je crois qu'in fine, c'est l'évolution des comportements des élèves. C'est là où la reconnaissance va arriver. Je ne vois pas d'autres éléments de reconnaissance sur cette thématique-là. Mais on pourra en parler en aparté. Ce midi, je reste déjeuner avec vous, donc vous n'hésiterez pas à revenir vers moi. Et la démarche ICAPS n'est pas la seule mesure qui est mise en œuvre dans le cadre de l'éducation nationale. Il y a des partenariats avec le ministère des Sports pour le savoir... J'apprends à nager, le savoir rouler à vélo, les 30 minutes d'activité physique quotidienne aussi, qui ont démarré, qui étaient sous forme d'un appel à manifestation d'intérêt l'an dernier, mais qui sont maintenant censés être déployés de manière systémique dans tous les établissements. Donc, c'est pas la seule action qui est menée en faveur de la lutte contre la sédentarité chez les jeunes. Il reste beaucoup à faire. Mais il y a quand même plusieurs actions qui se croisent. Oui, je peux citer comme action, je sais pas, c'est pas du tout la démarche ICAPS. Donc, Hélène, vous m'arrêtez si c'est pas le propos, mais à titre d'exemple, le professeur Carré, que tout le monde connaît sur cette question, a sollicité l'éducation nationale, le rectorat, sur un projet d'envergure scientifique qui mêle trois régions académiques, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Bretagne. Un projet qui s'intitule « Inverser les courbes » et qui s'adresse exclusivement à la mesure de la condition physique des élèves de 6e et qui va mesurer, et là on est pleinement dans l'éducation nationale, l'impact de l'éducation physique à travers un petit programme ciblé sur le réentraînement physique sur les résultats de cette condition physique. Je vais vous donner un exemple du dynamisme de notre territoire breton. L'appel à candidature pour un besoin estimé du point de vue de la recherche de 140 classes de 6e, on a eu un retour avec 211 classes de 6e. On est en train de gérer avec François Carré, mais aussi avec nos partenaires, sur comment faire pour n'exclure aucun collège de cet appel à projet et de cette dynamique-là. Donc oui, l'éducation nationale, je pense, sur notre territoire est très investie. Mais je tiens à rendre véritablement au plan régional sport centré bien-être, l'artefact de ce dynamisme. Juin 2018, je participe à une réunion du comité de pilotage du plan à la demande de ma rectrice à l'époque. Et c'est de là que tout est né, entre guillemets, en termes de dynamique. C'est vrai qu'on avait ce souci de l'activité physique par nos programmes disciplinaires, mais cet enrichissement que l'on a de nos pratiques et de nos projets aujourd'hui découle véritablement du plan régional sport santé bien-être. Et donc je remercie vraiment de nous avoir inscrits comme public prioritaire. Juste un petit rappel, on vous a monté tout à l'heure un petit code barre, enfin flash code, ou je ne sais pas comment on l'appelle, là, QR code, voilà, pardon, je suis un peu trop vieille, moi, pour poser des questions. On a quelques questions qui arrivent, Briac et Charles sont en train de les regrouper parce qu'elles sont diverses. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant ce QR code. Je ne sais pas si vous l'avez tous pris ou si on peut le réafficher, Hélène, rapidement. Voilà, la boîte à questions. Donc, ça permet effectivement de poser vos questions là, dans l'immédiat de la réflexion. Et puis, Briac et Charles sont en train de les organiser, de les thématiser, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Merci beaucoup.